capitaine. Elle a un numéro de Fontana Yves. Oh, et goal pour Genève Servette. Superbe action de Johan Franzen qui a éliminé un adversaire avant de glisser ce puck sur la canne de Cody Almon. Donc voici venu le jour tant attendu, n'est-ce pas, par les enfants hospitalisés en pédiatrie. C'est désormais plus de 7000 peluches qui sont récoltées à chaque match, enfin lors de ce match précis, qui sont ensuite triées, nettoyées et offertes aux enfants qui sont hospitalisés ici en pédiatrie. Mais naturellement, devant le succès et l'ampleur de cette réussite, eh bien, des peluches sont également données à d'autres organisations locales et internationales. C'est en effet une coutume que nous avons depuis de nombreuses années, depuis 2006, comme vous l'avez dit, qui perdure et qui est chaque année une grande réussite. Nous avons chaque année une affluence presque record pendant les matchs où nous organisons cet événement. C'est encore une fois un grand plaisir. C'est en effet Cody Almon qui a marqué le but de la victoire. En effet, il est malheureusement en Corée, on l'a pas retenu. Mais en tous les cas, c'est un grand plaisir d'être là avec vous et de partager ces moments-là, de vous remercier surtout. C'est surtout une belle occasion pour vous remercier pour le travail extraordinaire que vous faites. On sait que c'est un travail difficile. Il faut s'accrocher avec des enfants qui sont touchés, des familles qui sont touchées. Donc c'est, je crois, une belle occasion de vous remercier et de vous féliciter pour ce travail-là. Donc je vous souhaite à tous une bonne distribution de peluches et puis beaucoup de plaisir pour cet après-midi. Merci beaucoup et puis à l'année prochaine. Merci.